Salut les amis, aujourd'hui nous avons notre focus mensuel et notre focus sera sur Mme Marie Van Brittan Brown. Mme Marie Van Brittan Brown est née le 22 octobre 1922 à Queens, à New York. Elle y a grandi et elle est morte aussi là-bas à Queens. Elle est morte le 2 février 1999. Alors elle était mariée à M. Albert Brown qui était technicien dans le domaine de l'électronique et ils avaient des emplois du temps de travail divergents, ce qui faisait que il y a un moment où elle était à la maison toute seule et puis il y a des gens qui étaient dans le quartier qui étaient à la porte qui sonnaient et puis ils ne savaient pas qui c'est qui était à la porte et puis comme il y avait de l'insécurité dans son quartier à Queens là-bas, ce qu'elle enfin la preuve c'est que vous pouvez appeler la police ne venait pas quand vous aviez besoin de la police et donc finalement elle était obligée de créer un système avec son mari et puis finalement le système était fait par simplement des judas. Ils avaient trois judas. Un judas pour les personnes qui étaient grandes de taille, un judas pour les personnes de taille moyenne, et puis un judas pour les enfants. Et puis, à l'opposé, en fait, de la porte, il y avait une caméra qui était là, et puis il y avait des moniteurs qui étaient là aussi. Et puis, en dehors de ça, il y avait des micros bidirectionnels qui étaient là pour permettre la communication entre elle et les gens qui se trouveraient à la porte ou la personne qui se trouverait à la porte. Et si elle n'attendait pas, si c'était quelqu'un qui était vraiment indésirable, qui était à la porte, il y avait le bouton d'alarme qui était là, elle poussait le bouton d'alarme et la police était alertée. Donc, c'est le système qu'ils ont été obligés d'inventer avec son mari. Ils ont déposé donc le brevet d'invention le 1er août 1966 et le brevet d'invention a été approuvé le 2 décembre 1969. Voilà donc tout sur notre focus d'aujourd'hui, en fait, qui était sur le système de sécurité à domicile, qui était inventé par Madame Marie Van Brittan Brown, avec son mari. Et on se retrouve le mois prochain. Au revoir!